Chers élèves, bonjour. Nous nous retrouvions une fois de plus aujourd'hui dans le cadre de la continuité pédagogique. Et l'objectif de ce matin est de finaliser le travail amorcé bien deux semaines sur la rédaction ou le traitement d'un sujet de dissertation littéraire en classe de terminale. Ce matin, nous allons nous appesantir un peu plus sur la dernière partie de la dissertation, intitulée « Rédaction d'une conclusion ». Après avoir présenté, faire un bref rappel sur cette notion, je ne m'attellerai pas à aborder cette notion sans avoir donné mon identité. Je m'appelle M. Ngono Orlan, professeur de français, tel que les notions au tableau nous l'indiquent. Et ce matin, une fois de plus, disais-je, nous allons plus travailler sur la conclusion qui est un élément essentiel de la dissertation. Et si ce travail est très bien fait, l'élève peut arracher les trois points nécessaires pour essayer d'augmenter ses chances en ce qui concerne la note ou essayer de convaincre au mieux le correcteur. Et on ne va plus tarder, on va passer aux choses essentielles. Aujourd'hui, l'étude que nous abordons, notamment la rédaction d'une conclusion, nous devrions savoir, retenir que d'un commun accord qu'à la fin de cette séance portant sur la rédaction de la conclusion d'une dissertation, l'élève de terminale doit être capable de rédiger une conclusion normative en faisant ressortir les trois étapes obligatoires à partir du sujet ainsi indiqué au tableau. Et le sujet est de Louis Aragon. Nous allons le lire ensemble. Sujet, dans Le Mentir Vrai, Louis Aragon déclare « Le roman nous détourne de la réalité ». L'art du roman, c'est de savoir mentir. Discutez cette thèse en vous appuyant sur vos lectures des œuvres littéraires. Sans plus tarder, nous allons revenir sur quelques aspects déjà évoqués pour que nous puissions, dans l'ensemble, nous rafraîchir la mémoire. La première question que l'on doit se poser ici après avoir lu le sujet, quelles sont les étapes que nous avons déjà abordées en ce qui concerne la dissertation? Nous avons déjà abordé trois étapes, nous le savions très bien, la compréhension du sujet, la recherche et le processus de rédaction d'un développement, et le dernier élément abordé la fois passée, c'est les étapes ainsi que la rédaction d'une introduction normative. Et en ce qui nous concerne ce matin, il nous reste un élément essentiel, c'est la rédaction d'une conclusion à partir des trois étapes constitutives de la conclusion. Bien que nous veillons d'énumérer la partie qui nous reste, je voudrais savoir, je voudrais que vous nous rappeliez ensemble, ici, quelle était la problématique que nous avons élucidée la fois d'avant. Et cette problématique abordée la fois passée était présentée ainsi qui suit. Peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge? Peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge?
nous avons écrit ici « Rappel de la problématique ». Rappel de la problématique et l'annonce du plan. Rappel de la problématique et l'annonce du plan. Nous allons rappeler la problématique et le plan énuméré. On avait dit, on avait écrit à cet effet, virgule, peut-on soutenir que le roman est un pur mensonge. Le roman est un pur mensonge. Et au niveau du plan, on avait fait ressortir deux étapes essentielles. La première, donc le premier tiret, la première, on devait montrer la première, nous servira de montrer que le roman est une pure fiction. La deuxième nous permettra d'élucider que ce procédé traduit réellement les faits vécus. Voici la problématique et l'annonce du plan. Il est tel que présenté par Tiret. L'élève sait très bien que chaque réponse donnée après cette problématique constitue les grandes parties du développement. Et à partir de ces éléments élucidés, nous avons déjà le point de départ de la réponse que nous allons donner à la conclusion. Ces deux aspects sont des indicateurs importants dans la rédaction de la première partie d'une conclusion. C'était tout juste un rappel pour qu'on se remémore les parties ou la partie précédente. Et à partir de ce rappel, nous pouvons donc nous interroger quelles sont les trois étapes constitutives d'une introduction ou quels sont les éléments constitutifs d'une introduction. Quels sont ces éléments, les éléments constitutifs d'une introduction? Parmi les éléments ou les éléments constitutifs d'une conclusion. Quels sont les éléments constitutifs d'une conclusion? La conclusion a trois étapes ou trois éléments nécessaires
dans la production ou la rédaction. Le premier élément, c'est le bilan de l'argumentation ou la réflexion que nous avons exprimée au niveau des deux parties données ou exprimées ou évoquées au niveau de l'annonce du plan. Nous avons la prise de position, c'est ce que l'élève, quel est le point de vue de l'élève après avoir traité ce sujet. Que pense-t-il de ce sujet? Ou quel regard l'élève porte sur cette question? Et la dernière partie, c'est l'ouverture ou l'élargissement du sujet, si possible. Pourquoi nous utilisons l'expression « si possible » ? Parce que l'élargissement ou l'ouverture demande une grande culture. Parce que à partir de cet élément, l'élève peut ouvrir un autre débat. L'élève peut émettre un point de vue plus général sur cette partie ou en fonction du sujet évoqué ou mentionné. Et sans plus tarder, nous allons évoquer ou mettre en lumière ces trois étapes. Donc n'oubliez pas, je rappelle en résumé, que le bilan, c'est reprendre les grandes lignes du développement. Donc le bilan de l'argumentation, c'est la reprise des grandes lignes du développement. La prise de position, c'est l'opinion, le point de vue de l'élève sur la question que soulève le sujet. Et l'ouverture, l'élargissement, c'est proposer une nouvelle piste de réflexion sur ce que l'élève a pu évoquer. Après avoir expliqué ou apporté quelques réponses à ces questions, nous allons énumérer les étapes d'une conclusion. Mais nous allons aborder cette question en répondant aux éléments du sujet déjà étudiés. Nous avons dit premier élément, donc on va mettre l'astérisque, le bilan de l'argumentation. Le bilan de l'argumentation. Comment évoque-t-on ces aspects, surtout en ce qui concerne le bilan? On utilise un connecteur logique. Il y en a tellement. En dernière analyse, virgule, il n'est pas totalement faux. C'est-à-dire, on reprend la partie sur la fiction. Il n'est pas totalement faux. Il n'est pas totalement faux que, virgule, tel qu'il apparaît, virgule, le roman est réellement un tissu cousu de mensonges. Bien, au niveau de cette partie, nous venons de reproduire la thèse du développement. Nous venons de répondre à la première partie de la problématique. Le roman est un pur mensonge. Nous allons débuter notre travail de développement en exprimant le caractère mensonger du roman. Et la première partie du bilan doit d'abord faire ressortir
l'aspect du mensonge. Et la deuxième partie du bilan portera sur les aspects qui traduisent le vécu quotidien. Et après avoir énuméré cet élément, on ne va pas s'arrêter là, parce qu'il faut faire la différence entre la synthèse et le bilan. Après avoir énuméré l'idée générale du mensonge, on doit aussi faire ressortir les aspects qui traduisent le mensonge. C'est-à-dire, on prend au niveau de chaque argument évoqué en ce qui concerne la recherche des idées, les éléments importants ou les qualificatifs qui traduisent réellement ce mensonge. Et c'est ce que nous allons évoquer. Ce mensonge est mis en lumière. Ce mensonge est mis en lumière par, on avait évoqué les noms des personnages, on avait dit que c'était une création de l'auteur. Les noms des personnages, c'est ce qui justifie le caractère mensonger. Les noms des personnages, on avait évoqué l'espace et l'histoire. Donc, ce qui signifie que après avoir élucidé la thèse du sujet, il faut donner les qualificatifs qui justifient que réellement tu as évoqué les aspects de la fiction. On ne prend pas toutes les phrases, on ne prend pas les exemples, mais on énumère tout juste les éléments sur lesquels nous nous sommes appesantis pour justifier le caractère mensonger. Et nous avons pris, nous savons qu'il y en a plusieurs, nous avons choisi trois éléments, les personnages, notamment les noms des personnages, nous avons pris l'espace et l'histoire. Nous venons de faire le bilan de la thèse, de la première partie de la recherche des idées ou du développement. Il nous reste maintenant à évoquer les aspects de la deuxième partie pour que le bilan soit complet. Oh, ici, comme c'est un plan dialectique, nous devrions utiliser un connecteur logique qui nuance cette thèse. En ce moment-là, on notera toutefois, virgule, il présente, toutefois, virgule, il présente des faits. Il présente des faits qui traduisent, on reproduit l'idée de la deuxième partie. Produisent des faits qui traduisent. Qui traduisent la réalité sociale. Qui traduisent la réalité sociale. Point. Et cette phrase rejoint la deuxième partie du plan évoqué au niveau de l'introduction. Si nous nous arrêtons seulement à cet élément ou à cette phrase qui traduisent la réalité sociale, mais qu'est-ce qui justifie que l'œuvre littéraire met aussi en valeur les aspects de la réalité sociale? C'est ce que je disais bien avant, on recherche les aspects clés, les expressions clés qui justifient cette réalité. Point. Cette réalité est incarnée par l'histoire.
Donc l'histoire aussi est un aspect qui met en valeur le vécu quotidien. L'histoire, virgule, certains personnages, pas tous les personnages, mais certains. Certains personnages, certains personnages et leur attitude. Certains personnages et leur attitude. Virgule. Certains lieux et éléments culturels. Et éléments culturels. Point. Donc, ce qui démontre que quand on fait le bilan, on prend les éléments de l'annonce du plan et les éléments caractéristiques qui justifient notre raisonnement tout au long du développement de la dissertation. Nous venons d'aborder le bilan. Le deuxième élément de la conclusion porte sur la prise de position claire. Donc, le point de vue de l'élève. Donc, on va modifier le point de vue de l'élève. Pas du correcteur, mais de l'élève. Le point de vue de l'élève. Que pense l'élève après avoir traité en long et en large le sujet? Qu'est-ce qu'il pense? Là, c'est une liberté qu'on accorde à l'élève. S'il pense que le roman est une fiction, ça n'engage que lui. S'il dit que le roman évoque la réalité, ça n'engage que lui. Mais en ce qui nous concerne, nous nous rendons compte que le roman met en lumière deux aspects constitutifs, c'est-à-dire le mensonge et la réalité. En ça, pour éviter que ça soit une prise de position radicale, l'élève peut aussi concilier les deux parties. C'est-à-dire qu'on ne peut parler du roman que si l'on retrouve une partie de la fiction et une partie de la réalité. Donc le roman devient un assemblage des faits qui relèvent de la fiction et de la réalité. L'élève, en ce moment-là, peut dire, virgule, le mensonge, donc l'expression de la thèse, le mensonge et la réalité, l'expression de l'antithèse, rivalisent d'ardeur, c'est-à-dire sont deux aspects constitutifs. Rivalisent d'ardeur dans le roman. Ça veut dire quoi? Qu'on ne rejette pas la position de Louis Aragon. La position de Louis Aragon demeure d'actualité, c'est son point de vue. Pour lui, le roman est l'expression du mensonge. Mais lui, il n'a jamais dit que le roman évoque la réalité. La réalité, c'est le point de vue, le dépassement que le candidat fait après avoir analysé l'aspect ou le point de vue de Louis Aragon. Et à partir de là, il fait la balance, il regarde l'équilibre entre les deux aspects et il rassemble les deux éléments pour exprimer son point de vue. Le dernier élément, finalement, portera sur l'ouverture ou l'élargissement. L'ouverture ou l'élargissement. L'ouverture ou l'élargissement du sujet. Je mets entre parenthèses si possible, parce que tout dépend de la culture de chaque candidat.
Voilà. Troisième partie. Maintenant, ici, nous avons deux possibilités. Possibilité 1, trouver un sujet pour ouvrir une autre piste de réflexion. Deuxième possibilité, on peut se servir d'une citation d'un auteur donné qui aborde bel et bien cette question et évoquer ou faire valoir l'élargissement. À partir de là, on peut avoir, quoi qu'il en soit, virgule, on fait intervenir la citation d'un autre auteur. La citation d'Henri Lopez. La citation d'Henri Lopez serait sans doute la bienvenue. Donc on fait intervenir la citation d'Henri Lopez. Deux points. On ouvre les guillemets. Je n'ai rien emprunté. Je n'ai rien emprunté à la réalité, virgule, ni non plus inventé. Bien. Tel que nous le voyons, nous lisons cette citation, nous nous rendons compte que Henri Lopez, pas peut-être balai, mais rejette que sa production ne touche pas les aspects de la réalité. Il n'a non plus inventé. Donc on s'interroge finalement, lui quand il écrit, où puise-t-il sa source d'inspiration? Et nous avons l'impression que c'est un autre sujet qui intervient, ou qui apparaît, ou qui remet en cause ce que nous avons déjà évoqué, même si dans le traitement, on va revenir sur certains aspects. Voilà l'élargissement. Ainsi présenté, de manière détaillée, on peut maintenant passer à la rédaction proprement dite d'une conclusion. Ainsi fait, nous écrivons « rédaction ». Rédaction d'une conclusion. Rédaction d'une conclusion. On aura en ce moment-là, on reprend le bilan. En dernière analyse. Virgule, il n'est pas faux. Il n'est pas totalement faux. Il n'est pas totalement faux que, virgule, tel qu'il apparaît, virgule, le roman est réellement, un tissu cousu de mensonges.
de mensonge. Un tissu cousu de mensonge. Point. Ce mensonge. Ce mensonge est mis en lumière. Ce mensonge est mis en lumière par les noms des personnages. Les noms des personnages, virgule, l'espace et l'histoire. Et l'histoire. Point. Toutefois, virgule, il présente des faits qui traduisent la réalité sociale. Traduisent la réalité sociale. Point. Cette réalité est incarnée par l'histoire. Virgule, certains personnages et attitudes. Certains personnages et leur attitude. Virgule, certains lieux et éléments culturels. Point. Sur la même ligne, donc, le mensonge. Le mensonge et la réalité rivalise d'ardeur dans le roman. Point. Quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, virgule, la citation d'Henri Lopez serait sans doute la bienvenue. Deux points. Je n'ai rien. Je n'ai rien emprunté à la réalité. Virgule, ni non plus inventé. Voilà. Tel que présenté,
on se rend effectivement compte que la conclusion, tout comme l'introduction, se présente en un seul paragraphe. C'est au niveau du brouillon où on essaie un peu d'établir cette différenciation entre les éléments. Mais sur la copie définitive, on présente la conclusion en un seul paragraphe. Voici comment on rédige une conclusion d'une dissertation littéraire. Et à partir de ces aspects, je vais donner un sujet d'évaluation pour vous permettre de mettre en valeur ces différentes étapes. Sujet à domicile. Faites la rédaction d'une conclusion ou de la conclusion plutôt. Faites la rédaction de la conclusion. Faites la rédaction de la conclusion à partir du sujet suivant. Deux points. Stendhal. Stendhal écrit dans son roman Le Rouge et Le Noir. Le Rouge et le Noir, deux points, un roman est un miroir que l'on promène, le long d'une route. Point. Justifier ce point de vue en vous appuyant sur les œuvres que vous avez lues. Voilà. Vous allez rédiger une conclusion normative à partir de ce sujet. Nous voici arrivés au terme de cet exercice portant sur la dissertation et nous croyons que vous avez pu acquérir, pu comprendre les tenants et les aboutissants de cet exercice et nous croyons aussi que vous avez pu développer certaines aptitudes enfouies en vous à partir de cet exercice. À la prochaine séance, nous aborderons un autre exercice littéraire pour essayer
ensemble avec vous de corriger les quelques failles, les quelques difficultés que chacun de nous présente pour une meilleure application de ces exercices, non seulement pour vos évaluations respectives, mais plutôt dans la gestion de nos différentes tâches que nous aurons demain ou après-demain. Je vous remercie et bonne continuité à domicile. On se retrouve à la prochaine séance.